Bonjour à toi, chers spectateurs. Aujourd'hui, parlons du film Chacun sa vie, filmé par Claude Lelouch. Pas réalisé, hein. Selon l'affiche, c'est marqué filmé par Claude Lelouch. L'histoire, ça se passe dans la ville de Beaune et on va croiser plein de gens. Des juristes, des magistrats, des avocats, des policiers, des riches, des. Et tous ces gens vont s'entremêler. Voilà, c'est dit, c'est torché. C'est un très mauvais film. C'est. Vraiment un très mauvais film. C'est-à-dire que on peut être gentil des fois avec des réalisateurs, genre dire qu'ils sont vieux, qu'ils sont séniles, qu'ils font des films un peu chelous, genre Godard, voilà, on se fend la poire devant un duo langage, mais voilà, ça reste des films qui tentent des choses. Le film de Claude Lelouch est vraiment mauvais. Mais vraiment mauvais. C'est-à-dire que, à part les acteurs qui sont vraiment bons parce que c'est des très bons acteurs, c'est un film qui est mauvais, c'est un film qui ne crée aucune émotion par rapport à des personnages, c'est un film qui est froid, c'est un film qui est moche. C'est vraiment pas beau, il y a un très très mauvais travail de la photographie qui des fois est assez hallucinant. Il y a des problèmes de son, il y a une espèce de structure extrêmement bâtarde, enfin c'est. Un plus une était particulier, ça là-dessus on peut rien dire, mais un plus une avait quand même une certaine idée dans la manière de construire son histoire d'amour. Chacun sa vie passe son temps à ne faire que des bribes d'une histoire qui n'a pas vraiment de sens. Le scénario est signé par Claude Lelouch à la base, et réécrit par Claude Lelouch, Valérie Perrin, Grégoire Lacroix et Pierre Uytterhoven. Les personnages de ce film sont vraiment mal écrits. On ne voit que des bribes de chaque personnage. On ne rentre jamais dans leur histoire, on n'arrive jamais à comprendre ce qu'ils veulent, et hormis un ou deux persos qui par moments sont un petit peu plus évoqués que les autres parce que il va y avoir une scène qui va être un petit peu plus intéressante. Genre le président de la cour de Beaune qui parle avec une pute, qui est plutôt beau. Là encore, c'est vague. Mais sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce film. Il est froid. Il est d'un froid. C'est. Il n'y a vraiment aucune émotion qui passe dans ce film. C'est ça le souci. C'est qu'encore s'il y avait un peu d'émotion, on pourrait se dire, ah oh, super, on peut se rattacher au perso. Il n'y a rien. Le film veut brasser quasiment 20 à 30 persos dans un métrage de 1h50 où ils vont chacun se croiser, se décroiser et où ils vont juste évoquer des scènes. Ah oui, d'ailleurs, le titre du film, c'est précisément Chacun sa vie et sa raison. Enfin, ça a un titre en plus, c'est fou. Et son intime conviction. Voilà, Chacun sa vie et son intime conviction. Enfin, c'est. Alors c'est très bien d'avoir chacun son intime conviction, sauf que si le spectateur tu lui demandes d'avoir une intime conviction sans évoquer le moindre des persos, ça serait comme demander au spectateur d'avoir une intime conviction sur est-ce qu'une chèvre va faire du bon lait. Comme ça, je peux pas le dire. Je peux pas le savoir. Faudrait qu'on l'ait bien élevé, il faudrait qu'on sache comment elle était élevée. Enfin, c'est con, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu ne fais que des personnages et tu ne montres que la surface, tu ne peux pas avoir d'intime conviction. Sur est-ce que c'est juste ce qu'ils ont fait, parce qu'en plus à la fin le long métrage nous demande d'avoir une morale sur un des persos. On sait quasiment rien de lui, on sait que ça a été un poivreau, on l'a vu 10 minutes dans le film, sinon le reste du temps, enfin. Je sais pas ce qu'il veut faire Claude Lelouch avec son film. Il est parti trop loin avec Perrin, Lacroix et Uytterhoven. La mise en scène, il y en a pas. Enfin, si, il y en a une, mais elle est moche. C'est très difficile de parler objectivement, elle est pas belle la mise en scène, la direction de la photographie est assez hideuse, il y a une photo et des couleurs qui sont mal utilisées, il y a des éclairages qui à des moments sont limite visibles à l'écran, enfin c'est pas beau quoi, et puis même au niveau du rythme, au niveau du travail du montage, les musiques qui en rajoutent des caisses, alors si la musique c'est à peu près intéressant parce qu'il y a un travail sur le fait que la musique est diégétique, elle est présente, mais qu'elle est utilisée de manière extra-diégétique, comme si elle faisait partie de l'action, mais étrangement elle l'est dans le film. C'est plutôt intéressant parce que résultat on a un des compositeurs de la bande originale qui se retrouve à jouer constamment à l'écran. C'est une bonne idée, le souci c'est que résultat ça voudrait essayer de donner un côté dramatique à quelque chose qui ne l'est pas, puisque résultat il n'y a aucune émotion qui est créée à aucun instant dans le film. Mais il a vraiment foiré son film, Lelouch. Hein. Il y a l'introduction du film a un problème de son. On a l'impression qu'il a posé son micro au milieu de la pièce et qu'il se retrouve à devoir augmenter le son parce que Éric Dupont-Moretti, il n'a pas parlé assez fort et résultat, on se retrouve avec un bruit de blanc en fond. Enfin, ce film est surréaliste. Il est pétri de bonnes intentions, mais il est foireux du début à la fin. C'est pas un mauvais film, c'est vraiment un film raté. Mais genre complètement raté.
Il n'est pas mauvais, parce qu'il est pétri de bonnes intentions, mais il est raté. Genre vraiment raté. Le casting, rien à redire. Je ne vais pas m'amuser à citer tous les noms, parce que ça serait vraiment y passer trop de temps, mais tous les acteurs sont bons. Il n'y en a aucun qui est vraiment à côté de la plaque, hormis Chantal Latsou, parce que Chantal Latsou ne sait pas jouer. Mais sinon, tout le monde est bon. Zilberstein, Johnny Hallyday, peut-être Johnny Hallyday ressort un petit peu du lot. Éric Dupond-Moretti aussi, Béatrice Dalle aussi, Jean Dujardin, tous les autres, peut-être Rufus, mais... Dans l'ensemble, le casting est bon, hormis Chantal Latsou, tout le monde est à peu près bon. Mais franchement, chacun sa vie, mais passez votre chemin. Largement, le cinéma français a pondu des films beaucoup plus intéressants, et cette semaine, en plus, il y a Grave. Donc, ah la vache, mais cassez-vous. Allez voir d'autres films, mais n'allez pas voir Chacun sa vie de Claude Lelouch. C'est foireux, c'est vraiment un film foireux. Fuyez, fuyez, pauvre fou. À plus.